Ce que t'as pas vu entre temps, c'est que je me suis scratché comme une grosse merde. Et du coup, j'ai fait un petit séjour à l'hôpital, vite fait. Nous sommes arrivés. On va rejoindre Lester. Et c'est parti. Here, put this on. No, I'm gonna scan this place for cameras when you're gone, Peeper. Hey, when this thing is done, the girls are gonna be videoing me. Nah, ain't gonna happen. What ain't gonna happen? $400 million isn't making this guy a player, and it ain't making you a good person. Now put on your clothes. Hey, so we ready for to get this shit cracking, right? Fuck yes, oh yeah. So if you actually get dressed, then maybe you will. Ready for action, huh? Let's go! All right, I'm gonna meet my guy at the bank. Gold ain't ours yet, but we are this close! Get the crew. Let's go, let's go! Bon, on est chaud patate, c'est parti. Le grand soir, c'est maintenant. Dernier épisode. Là, il y a de grandes chances. Je viens d'enchaîner, hein. Je vais pas recommencer quoi que ce soit. Mais vu la tournure des choses, je vais diviser en deux cet épisode, et là je pense que tu es sur la dernière partie du dernier épisode. Dernier épisode, partie 2 sur 2, c'est parti. Que de mots partis. Braquage à la portugaise, ça me fait plaisir, parce que braquage à l'italienne, ça vaut que dalle. Par contre, un braquage à la portugaise, c'est cun carai, et ça, ça fâche le plaisir en toi. Tu es content. Bon, j'essaye de lire, mais bon, en même temps, je m'en bats les couilles. Excusez-moi de cette vulgarité inopinante. Hop. Qu'est-ce qui se fait? On vient chercher le premier homme de main avec un dernier Bluetooth de chez Sony. Il a acheté la PS4, on lui a filé le micro. Du coup, ils sont tous sur PS4 déjà, les Américains. La foreuse, oh mon dieu. R2 pour approcher la foreuse du mur. Appuyez sur toi pour faire tourner. Ok, on y va. Il n'y a pas de vue d'intérieur, c'est super. On voit rien. C'est un truc de dingue. Quel mur? Quel mur? Ça commence. Allez, c'est parti. Et machin pour tourner. C'est parti! C'est même pas une foreuse le truc. Ça démonte tout. Ah, je crois que là on a plus le choix là. Là c'est chaud patate, on a tout pété. Je crois que je suis dedans. Là faut y aller, c'est fini. T'as commencé ta connerie, t'y vas. Garer la foreuse près du mur. C'est où près du mur? Quel près du mur? Là il y a des alarmes, j'ai la manette qui fait que trembler, ça me stresse. On y va. Les flics ne vont pas tarder. Allez, go, 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 on y va. Allez, passe par-dessus, bordel. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, c'est là que... Oh, mon dieu que je suis con. Excusez-moi d'être aussi bête des fois. Hop, c'est fait. Et là c'est fait. On dégage. On fait péter. Voilà, tout a pété. On récupère une arme inopinante parce que sinon ça va être chaud. On doit faire quoi là? Protéger Gustavo Mota de l'équipe, ok. Donc là, à mon avis, il y a du monde qui arrive, c'est ça? Il faut faire la guerre. Ça va être chaud. Ça va être cacao. Ça va être freestyle. Hop là. Allez, recharge un coup, mon pote. Dépêche-toi. J'espère qu'on va la faire d'un trait, cette mission. Je vais pas la recommencer 150 000 fois. Hop là. Et de 1. L'alarme qui te stresse bien dans les oreilles. Tout est réuni.
et j'ai envie d'éternuer. En tout cas, on aura passé un bon let's play ensemble. Vous avez... C'est où? C'est où que ça se passe? Ouais, du monde. Allez, vite, 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 vite. Allez, vite, 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 vite. Va te cacher. Voilà. Excusez-moi ce moment de stress, mais il y avait besoin. Waouh, le butin en bas, c'est un truc de fou. Il y a encore du monde qui arrive ou pas? Hélicoptère au-dessus de la tête. Oh non, me faites pas ça. Hein. Moi, je conduis pas l'hélicoptère maintenant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas plus gros. Non, j'ai pas plus gros. Qu'est-ce qui se passe? On va se cacher. Hop là. Hop là. Oh non. Hop là. Il est où? Où qui se cache le dernier? Le petit coquin. Hein? C'est un petit coquin. Il veut pas qu'on le tue. Il est là, je l'ai vu. Hop là, voilà, ça c'est fait. Oh non, hélicoptère, les gars. Tout ce que j'aime pas. Je fais quoi, moi? Reste pas là, occupe-toi des lingots. Hors de la ville. Mais est-ce qu'il faut que je suive mon pote? Je pense que c'est préférable. Parce que... $201 million. Ça, c'est du pactole. Hop, on récupère Michael, qui est je sais pas où. Ça m'en gratte l'oreille. Quand mon oreille me gratte, c'est que ça sent la fin. Ça a toujours été. Et Michael, il fait quoi? Ah, il fait la guerre. Ok. Michael est dans la merde. J'ai pas tué mon pote. Non, ça va. J'ai eu peur. On y va. On va se rapprocher d'un poteau. On va faire gaffe au business. Hop. Voilà, allez, go. Allez, Mike. On récupère des munitions. Tiens, dans ta gueule. Hop, on récupère des munitions. On se cache un coup. Où est mon pote? Il est descendu. Allez, on se cache. Ça va être le bordel total. Hein, on est d'accord. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On reste ici, c'est ça? Là, j'ai Franklin qui est à deux doigts de crever, là, quand même. Je voudrais pas dire, mais... Dégage. Pas se prendre la tête avec ça. Moi, les hélicoptères, j'en ai rien à foutre. Voilà, ça c'est fait. Ciao ciao, c'est cassé la gueule. On va changer d'arme aussi. Bon les gars, j'espère que t'es en train de vivre l'action comme je la vis. J'espère que t'as pas trop peur pour moi. Non, dans l'autre sens. Non, ok. Et si je prends un peu Michael? Ah, il est rouge Michael encore. C'est ce que j'ai envie de faire. Je vais rester avec Michael parce que Franklin il est mignon. Il a pas ce qu'il faut. Que Michael? Regardez, Michael il est équipé. Vous voyez ce que je veux dire? Michael il fait pas semblant. Voilà, Michael il y va au lance-roquette. Hop, il se prend pas la tête, comme ça c'est fait. Pourquoi s'emmerder à tuer tout le monde? Alors je sais pas ce qu'il faut faire maintenant.
Je crois que je suis un peu trop vite pour eux en fait. Mais oui, c'est bien plus sympa la sulfateuse. Qu'on est con, on se fait chier à viser. Hop, on prend maintenant ça, on vise, on envoie une roquette, on n'en parle plus, t'y vas à la bourrin. Je vous ai dit que ce dernier épisode, il serait à la bourrin. On se le fait à la bourrin. C'est tout. Voilà. Hop. Hop. On va essayer de viser un peu plus quand même. C'est bon. Et on se casse. En plus, c'est Franklin au volant. Nickel. Avec ses compétences de psychopathe. D'accord. Compétences de psychopathe. Le mec, il arrive pas à sortir du parking. Allez. On y va. Par contre, échapper à 5 étoiles, là, j'avoue que ça va être tendu quand même. On va pas se mentir. Hein. Bon, en même temps, on a bien géré le business. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Hop là. Les petits moments freestyle, c'est là où il faut justement... C'est là où il faut justement envoyer le... Moi, je leur fonce dessus aux flics, je suis con, quoi. En même temps, ils me font un barrage dans toute la ville. Ils sont pas là pour rigoler. Allez, 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 les gars. Allez, les gars. Allez, les gars, on y va. Allez, on se casse. 5 étoiles, on n'est pas là pour rigoler. Là, Michael, il est... Franklin, il est... En fait, je suis stressé. J'arrive plus à parler. Franchement, c'est trop tendu. Franchement, c'est trop tendu. Comment tu veux commenter un truc comme ça quand t'as les yeux qui regardent de partout, quand t'as la manette qui tremble, t'es en stress total, t'es poursuivi par toute la ville, par tous les flics de la ville. Oh, flic. C'est les jumps. Oh, il est beau. Oh, il est magnifique. Triple lobe sevrier. Tac, hop. Réception sur les quatre roues. Alors là, mon pote, si t'arrives à faire une échappade aussi belle que celle-là, je te dis, envoie-moi la vidéo direct. On va rester caché tranquille. 5 étoiles, on va rester par là. Voilà, mes amis, on les a semés. On va retrouver Lester et Trevor. Franchement... Course-poursuite mémorable. Non mais attends, freestyle 360 degrés in the mix. Tac, j'atterris sur les quatre roues, planqué derrière la salle de concert, enfin la scène là. Et puis voilà, tout va bien. Oh non, pas l'hélicoptère. Pas l'hélicoptère. Qui doit être mort? Qui doit être mort? J'ai pas compris là. Voilà, déjà un fait. Après, je crois qu'on n'a pas trop le choix. On va être obligé de vraiment de frôler le sol. À mon avis, c'est comme ça qu'ils veulent qu'on le fasse. Voilà. Et de deux. Et le troisième. Décolle, 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 décolle. Oh, il a pas touché. Il a pas touché, j'y crois pas. Là, c'est bon ou pas? Là, c'est bon ou pas? Nickel. Voilà, c'est bon. Maintenant, on peut monter plus haut. On s'est fait les trois. On s'est fait les trois. On fait gaffe aux éoliennes. Voilà. Les lingots sont ici, nickel, ça fait plaisir. Déposez-leur dans le wagon. Qui, bien évidemment, est en mouvement. Sinon, c'est pas rigolo. Hein, je vois pas l'intérêt de faire un truc simple. Quoi ça servirait? Tant se faire chier. Lui va y arriver en 2 secondes, ce qui est logique. PGM du premier coup. Alors là, tu peux m'applaudir, je te le dis. Aérodrome,
Alors je sais pas ce qui va s'y passer là-bas, mais on y va. Il est où le point jeune? Parce que tu les connais maintenant les loulous. T'es bon? Non, remonte un hélicoptère. Ouais, je suis pas garé exactement où il a envie qu'on se gare. Allez, lève-toi. Truc à la con, ça encore. Voilà. C'est bon? You two, come with me. I'm gonna need some help getting the metal in storage for a few days before I can sell it. Both of us? Yes, both of you. All right, it's been a pleasure working with you. You'll get paid when we get the cash. But until then, I want you to keep it on the down low. No new cars. No vacation. No nothing! Now come on, Sugar! Oh, fuck me. /68/69 les amis. On va se diriger directement sur la dernière mission de ce let's play. La 69e exactement. Et après je vous dis adieu. D'abord on va regarder où se trouve le F. Voilà. Ce sera plus simple. On est à 1,72 km. On va directement faire demi-tour. Tout le monde a la même voiture en fait, que ce soit Franklin ou Michael. En rouge ou en noir, la nuit me fait peur. On y va. Ça fait bizarre, hein, de se dire que c'est fini. Bon, le jeu est pas complètement fini. Je sais qu'il y a encore plein de missions secondaires, machin. Mais l'histoire principale, ce qui était l'objectif quelque part de vivre ensemble, ça touche à sa fin. On se fait la dernière pour le fun. On est riche, on est multimillionnaire. Tout va bien. On est les boss de Los Santos. J'en aurais bien bavé, hein, à faire plein de fails. Des après-midi entières à enregistrer pour rien aussi, quand mon HDPVR ne marchait pas, mon Avermedia. Mais au final, on aura passé un bon moment ensemble. Vous avez été en moyenne 20 000 à suivre, ce qui est franchement pas dégueulasse pour le let's play d'un jeu que tout le monde a. Donc dans l'absolu que tout le monde s'en fout, puisque tout le monde l'a. Ben, vous avez été quand même un petit paquet à regarder. Ça m'a fait plaisir, vous m'avez accompagné dans mes moments de douleur, mes moments de détresse, mes moments de Kinder Bueno, mes moments de thalassothérapie, mes moments de country party et de yoga. Là en fait je parle, c'est pour boucher les... Merde, je suis passé devant chez Franck. Je suis con ou quoi? Attends. Non, Franklin c'est plus haut. Non, Franklin c'est plus haut. Hein? T'es bien gentil, quand tu sais pas te diriger, que t'as pas le sens de l'orientation, bah tu fermes ta gueule. Voilà. Et je suis con, bah oui, on prend ici le petit demi-tour. Tac. Là, j'espère qu'un truc, c'est qu'une mission comme celle-là, elle est bel et bien enregistrée sur le disque dur. Sinon, là, c'est même pas je saute par la fenêtre. Là, c'est je deviens fou, je crois. Me retaper tout ça, je suis dégoûté. Surtout que celle-là, je serai obligé de la recommencer, ça c'est clair. Allez, Franklin, c'est parti. Il se passe quoi là? Il y a un F, mais il n'y a personne. À mon avis, on m'attend là, voilà. Voilà. Tu sens les embrouilles? Moi, je les sens. Ça sent pas bon. Hey, Slick, it's me! What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Nah.
Oh, yeah. But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man. The feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C. Time's ticking, pal. Beep, beep, beep. And your answer is... Man, you know what? Man, fuck you. Genius answer, pal. Total genius, but time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Man, fuck you. Votre choix, tuer Trevor, tuer Michael ou sauvetage. Vous savez quoi? Moi j'aime pas tuer les potes avec qui j'ai fait des missions pendant presque 15 à 20 heures de jeu. Sauvetage. Ouais. On va sauver tout le monde, même si on n'a pas une thune, c'est pas grave. Tes copains sont encore là. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. All right, I'm coming. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite aller voir Lester. Allez, monte là-dedans, dépêche-toi. On va déjà regarder sur la carte où est-ce qu'il est, mon petit Lester. Il est ici. Allez. Et je vous dis à tout de suite chez Lester. 3 km 4, il a pour un petit bout de temps là. A tout de suite. Bon les gars, on est arrivé chez Lester. On va voir ce qu'il me propose. Vu que j'ai voulu tuer personne, je sais pas ce que ça va donner. Aurait-il fallu que je tue des gens? Je ne sais pas. Des amis surtout. Mais on ne tue pas les amis. Je suis sûr que certains d'entre vous ont fait les enfoirés. Bon, il est où Lester? What's the panic, bro? What the fuck do you think? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. But you know, I don't want to say something that's really exciting, and then you have to act all deflated and say, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Well, I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Yeah. Devin Weston, man, you know the, That angry rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right. I say, kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked, you know, I don't know. You know everything, dawg. I know, okay, but I'm sorry, I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay. Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Meriwether. I think, actually, Weston owns... piece of Meriwether. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Murrieta Heights melting it down, then maybe, both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set up. I got you. Je sais pas si j'ai bien fait de choisir cette option. J'ai l'impression que ça va être galère.
tuer Michael, tu y vas, tu tues Michael, puis basta quoi. Trevor pareil, quoique après il va peut-être pas se laisser faire, je sais pas ce qu'il... Je sais pas. On peut pas je sais pas si on peut faire les trois aussi. Tu vois, pour le délire. Mais ta pulsion première est ta vérité. Donc tuer personne, ça aura été ma vérité. Même si après derrière je peux refaire la fin en tuant Michael ou la fin en tuant Trevor. Ma première pensée a été de les sauver. Et je suis fier de moi. Je m'applaudis tout seul. Je suis content. On arrive au point jaune. Vous vous rendez compte les amis, c'est un des derniers points jaunes que nous vivons ensemble. Ce moment est épique. On va chercher Lamar. Allez, dépêche-toi, monte. Non, tu montes, tu fais quoi là? Prends le train. Allez, à la fonderie, c'est parti. Hop là, excusez-moi. J'ai cassé 2-3 rotules au passage. Allez, go. On n'est pas loin. Du coup, je sais pas trop ce qu'on va y faire à cette fonderie. À mon avis, on va... Ça sent le mec qu'on va pousser dans un truc bouillant, tu vois, pour qu'on ait aucune preuve de sa mort. Et ça, c'est pas improbable. Vraiment. Là, je suis défoncé. Ça fait 2h30 que je joue. Il est 3h. Toute la petite famille, elle a pas mangé. Je peux vous dire que... Dans les commentaires, vous pourrez remercier la famille entière. Non, franchement, je remercie déjà ma femme en direct. Pour la patience qu'elle a eue pendant ces 3 mois. On dirait une fin de vie, tu sais. Une fin d'aventure. La patience qu'elle a eue. Tous les moments qu'elle m'a laissé tranquille à sortir tout le monde pour que je puisse produire 3 épisodes par semaine. Parce que quand t'as une vie de famille, 3 épisodes par semaine, mon ami, ça se fait pas comme ça. T'es pas un vieux célibataire, tranquille, tu peux enregistrer quand tu veux. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent parler les deux, c'est quelque chose. Le point jaune, voilà. Je fais quoi maintenant? C'est bon? On va où là? Entrer dans la fonderie. Elle est où l'entrée? Elle est là. Hop. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que je vais là? Flippant le truc. Une ambiance un peu bizarre. Allez, on y va. Se dépêche. Ouais, ça sent le coup de Trafalgar. Il y a trop de... On peut monter par là? Non, on peut pas. Là-bas, il y a des escaliers. Go! Allez, on y va, c'est la fin. If not, man, I'll put bullets in both of you motherfuckers. Hey, they here? I know them when I see them, homie. They creep. All right, good. Y'all hear that? Now, if we doing this shit, man, it's either now or never. Come on, Trevor. Fuck it! Alright, man. You go over there. Alright, where you want me? You hold your position right there. Okay. I'm gonna go over there. Secure the building. Watch your sector. Gee, dog, you got away. Allez. Allez, on va voir Lamar, c'est parti. Allez, on se dépêche, on se dépêche. On compte sur les copains pour se faire le reste des gars. Allez, allez. Allez, dépêche-toi. Il nous monte. Il est là, Lamar, c'est bon. On va l'aider. En fait, c'est tout con, fallait que j'aille ici. Éliminer les agresseurs. On va mettre derrière cette caisse. Comme ça, on se fait l'autre là-haut. Recharge un coup, mon pote. Hop, lui c'est fait. Lui c'est fait.
Hop, cache-toi. Lui aussi c'est fait. Il y a du monde, hein. Voilà. Pas dans la merde. Il m'en reste deux. Hop, un petit coup de Michael. On écoute ce qu'ils nous disent. Hop. 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 Sauver Trevor. Allez, on y va. Et nous, Trevor. On y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Tout le monde doit se sauver. C'est ça, les amis. On n'est pas là pour s'entretuer entre nous, avec tout ce qu'on a vécu ensemble. Dis où, cet enfoiré. Il y en a un qui se planque par là encore. Voilà, c'est fait. Oula. Voilà. Cache-toi. Ils sont où? Oh, c'est chaud, hein. Franchement, c'est tendu, hein. C'est tendu, hein. C'est un truc de dingue, hein. J'en ai mal aux doigts, quoi. Allez, on y va. Il y a vraiment du monde. Est-ce qu'on va faire un petit coup de Michael? Hop. Voilà, ça c'est fait. On reprend ça. On reprend Trevor, histoire de garder Michael en vie. On n'est pas au... à l'endroit du début. Je crois que j'ai plus de munitions aussi. Si, pourtant. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. En fait, je crois qu'il faut qu'on descende, hein, sinon c'est pas rigolo. Hop là. Freestyle. Petite surprise. Allez, on y va. On continue. Carnage, cette mission. C'est un truc de fou. C'est interminable. Oh, il y a carrément les flots. Oh, c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est fait. Are we just gonna wait around till someone else comes to kill us, or are we gonna wait till this fucker gets turned again? Oh, bite me. Ain't anybody getting turned again, and you know it. Hey, man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up. We got a lot of old friends I think need to be re-educated. A lot of friends. I mean, things could get really messy. No, we just gotta silence a few noisy people. Hell yeah, let me see. There's, Steve Haynes. Dave Norton. No, we need him alive. Why? So nobody fucks with us afterwards. What about that tribe, motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch? We want to throw him in? Shit, Trevor will throw anyone in just to satisfy his bloodlust. Whoa! Hey! It's called a fucking loose end, all right? And if we're gonna be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Man, Stretch has been a liability. They were gonna have to take care of our old pals Devin Weston and Steve Haynes. Oh, fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? Who is this? Stop calling this number. Hey, it's me, dawg. You're alive. I thought someone might have your phone. Nah, but look, I got you on speakerphone. Oh, did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See you putting the ground wheels. Uh-huh. You, just... calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? I'll do my best. Who? Steve Haynes, to start.
and Devin Weston's ass. And Wei Ching. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Tang. Wei Tang. And Franklin's pal, Stretch. Huh. Stretch? Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Del Perro Pier. Shooting permit came up immediately. Check it! I wanted to ice that fucker since the moment I met him. All right. Ah, I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the B.J. Smith Recreation Center. No, I got him. Let's keep him clear of known associates. All right, thanks, dawg. You got it. What you got for me? Tao Ching's credit card just bought a Magnum at the beach club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about his punk-ass dad. When I find Mr. Weston, I'll send the coordinates. All right, good. Bon, tu es Stretch. Du coup, je suis passé dans le corps de Michael. Donc Stretch, il est où, ce trou du cul? Hop, on y va. Tu es Stretch. On y va tranquille. Échapper au ballas, mais pas dans la merde. Allez, dépêche-toi, casse-toi. Allez, on se casse. Waouh, c'était tendu, hein. J'étais à une fraction de seconde de me faire dépouiller. En tout cas, normalement c'est fait. Non, c'est pas fait. Parce que maintenant, c'est le bordel. Maintenant, j'ai plein de méchants qui veulent ma peau. Et je vais bientôt mourir. C'est interminable cette mission. Interminable. C'est un mélange de interminable et interminable. Je sais pas combien j'ai de voitures qui me poursuivent, sinon j'aurais bien fait le délire sortir de la caisse et les attendre au RPG, tu vois, tranquille dans la délicatesse. Là j'avoue que ils vont pas me lâcher. Non, ils vont pas me lâcher. Un petit virage de dernière minute, histoire de les perturber un petit peu. Ces bagnoles là qui tournent au dernier moment juste pour t'emmerder. Mais dans ce jeu, qu'est-ce que ça m'aura saoulé ces caisses? C'est un truc de fou. Il me lâche pas, hein. Il me lâche pas du tout, hein. C'est un bordel monstre. On va couper par là. Hop. Hop. Pardon. Ok. Le truc qui sert à rien, ce que je viens de faire. Je voulais changer d'arme. Tu peux pas. Il me lâche pas, hein. Il me lâche pas les coquins. Ou alors je sors et je les bute. Qu'est-ce qu'on fait? Derrière moi. Voilà, c'est bon. C'est ce qu'il fallait faire, sinon j'en avais pour 3 jours. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Hop là. Un petit coup de Trevor. Et N. Donc chacun a son petit personnage à tuer. À mon avis, chacun doit aussi échapper à sa ribambelle de surexcité. Donc on va se le faire, lui, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que le principe de base, c'est ça. Il est où? I'm moving on Haynes. Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Los Santos. Ah, mais il est en hauteur, lui. City of sinners, and nothing in between but the FIB. Cut! God, this is crap! Who writes this bullshit anyway? Okay, all right. You got this framed right? Yeah, you're looking great. Is the chin? How's the chin? Oh, sharp. All right, the audio's clean? Nice. Oh, well, say something. Check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. I'm a professional. Let's go.
Hi, I'm Steve Haynes. Il est où? Le caméraman est là. Voilà, stop. C'est celui-là, voilà. Nickel, allez. Allez, passe-moi la séquence. Voilà, lui on se le fait. Voilà, c'est parti. Comme ça, on se casse. Bon, je suis en mode 3 étoiles, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'aimer. Comme dirait Florent Pagny. Hélicoptère au-dessus de la tête, non? Non, ça va. Les gars, j'ai le caméscope qui a lâché. J'ai joué trop longtemps, il n'en peut plus. Donc vous ne me verrez pas, c'est fini. C'était la dernière fois que tu voyais ma tête. On finit cette mission. Et on s'arrête là. On va se cacher. Discrétion assurée. Voilà. Normal. Allez, dégage. On va rester dans l'angle et on va attendre. Il est 16h, on sort de table. Et attendez. Il a fallu impérativement que j'arrête 2 minutes en fait. L'épisode était interminable. Là j'ai demandé aux gamines de pas faire de bruit parce qu'il me devrait me rester 10 minutes à faire. Et elles sont en train de crier dans la chambre. Mais je vais pas les étouffer les pauvres. Elles sont chez elles, c'est dimanche. Et ça va faire 6h que j'enregistre, j'en peux plus. On va le finir ce dernier épisode, je te le dis. Mais je le finis aujourd'hui. Comme ça, c'est terminé. Plus de... Allez, laissez-moi tranquille. Je dois enregistrer 3 fois par semaine. Je finis aujourd'hui. Je veux plus en entendre parler. Plus jamais. Qu'est-ce qui se passe? La voiture, la moto, elle a bugué. C'est pas un truc chelou. Oh la merde. Hop là. Allez, on va vite retrouver le gars. Parce que le problème, c'est quoi? Voilà, ça c'est fait. Voilà. Allez, vite. Il est où? Voilà, tout simplement. Hein? Pourquoi partir dans une course-poursuite interminable? Tout simplement. Tu te fais tout le monde à la gros bourrin. Et on n'en parle plus. Bon, maintenant je pense qu'on va chez Devin. Et ça sent vraiment... Mais cette fois-ci, vraiment, la fin du jeu. C'est certain. Je vois pas d'autre solution au problème. Puis là, on sort d'un bon repas. Je peux te dire, j'ai envie de faire la sieste. J'ai envie de dormir, comme un bébé. Ah oui, on est allé au début, là, chez lui. Là. Allez, moi, ce portail, dépêche-toi. Bon. Une dernière... Hey, unless you got news from the foundry team, I don't want to be disturbed. Kidnapper Devin. Bon, bah je crois qu'il va falloir faire la guerre. Hein? Ça va être moi contre tous. On va y aller tranquille dans la sérénité. Devin est par là. Hop. Voilà, lui c'est fait. Oh, mais il en faut combien des balles à lui? Y va. On va y aller plus subtil. Là, il est où? Non, il y en a un qui est par là, voilà. Voilà. Allez, recharge-moi tout ça. Va te cacher. Voilà. Allez, recharge-moi tout ça. BGM, Trevor. Allez, mon Trevor, fais-moi rêver. Il y en a un par là. Voilà. En fait, il faut vider des cartouches entières parce que franchement, ils ont des morceaux de gilet pare-balles. C'est un truc de dingue. On va les perturber encore.
Là, j'y suis. On y va. Cache-toi. Il est pas. Non, si je descends, je suis sûr que je vais me vautrer en bas. C'est pas le but. On va rester par là. En gros, il reste qu'un garde du corps, c'est ça? Non, il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Voilà. Ouais, il y en a beaucoup plus que ça, ouais. Cache-toi. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Un petit Trevor, sois courageux. Il est où cet enfoiré de garde du corps? Voilà, c'est fait. Davin, on arrive. Tout petit tête de ta fiole, on les a attrapés. Il est bien, n'empêche, t'as vu cette maison? Sur le multi, si on pouvait avoir ça, ce serait de la balle. Piscine avec vue sur la mer. Et bah, c'est où? Il est où ce camp? Il est où ce camp? À mon avis, il est chez lui, au sous-sol. Allez. On y va. Dépêche-toi. Elle est chelou, cette maison, franchement. Et ces grosses pierres et ces trucs-là, m'a saoulé. Je pense qu'il faut rentrer dans la baraque. S'il y a une ouverture, bien évidemment. Et comme il y en a pas, on n'y rentre pas. Je vois pas trop le délire, là. Ou alors, est-ce que je sors par là? C'est ça? On passe par là. On voit rien. Il est où, ce con? Il est caché dessous, c'est ça? Non. Bizarre. Hop, le petit plongeon, histoire de dire que je suis un PGM. On remonte par là. Bon, je pense qu'il faut rentrer par la maison, là. Il y a un truc, c'est pas possible. Il va venir sa planque secrète, cet enfoiré. On va passer par là. On va aller voir ce qui se passe là-haut, voir s'il y a une entrée. Passer par le sous-sol. S'il y a moyen de rentrer dans la maison, bien évidemment. Pour l'instant, il y a que des portes fermées. Un garde du corps. Bizarre cette histoire. Elle est bizarre cette histoire, un truc de dingue. Devin, t'es où? Devin. Où es-tu? Allez, on va dire que ici, je suis jamais venu. Il y a sûrement une entrée par là. Obligé. Cette maison de fou a fait 600 mètres carrés. Donc là, on a tué un gars. Et on revient à notre position de départ. Qui fait que c'est en train de me guérir. Donc, on va repartir par là. Voilà. On va retourner à la porte d'entrée. En espérant qu'on puisse y rentrer. Tout ce que je peux te dire, moi. Alors, dépêche, c'est l'heure de la sieste. C'est la porte d'entrée ici ou pas? Allez, on rentre. Non, on peut pas. Porte d'entrée, on rentre pas. Le garage. Non plus. Et là, tu t'éclates la face. Là, j'ai un des gardes qui est tombé. Non mais sérieux, c'est quoi ce délire? Il a une entrée secrète, cet enfoiré, là. Il y a un problème. Il y a un truc. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Ah, c'est une lumière. Non mais soit il y a un bug. Il y a un problème, il est où? Ouais, il est où, le gars? Il est où, le gars? On va voir. On va faire péter le sol. On va voir ce que ça donne. Bug du jeu, le gars il était plus là. Regardez, il est où le gars? On peut m'expliquer? Ah d'accord, fallait s'approcher d'une caisse. Non more talking.
Bon, on va rejoindre le lieu de rendez-vous. On va livrer des vins dans cette belle voiture de collection. On est à 6 km. Et moi, je vous dis à tout de suite, une fois arrivé aux 6 km. Bon, les gars, on est à 400 mètres du lieu de rendez-vous. On est arrivé. Hop là, freestyle. De la voiture à l'ancienne. On va déposer de vin. Et j'ose espérer que c'est la dernière des dernières. C'est depuis au moins plus d'une heure, je suis en train de dire, c'est la dernière des dernières. Hop là, cinématique. Hey, we good, T? Never better, amigo. Franklin? I'll be here. Franklin. Hey, what's up? Assume you got him? Ooh, safe and sound. Ain't that right, buddy? Hey, my bad, homie. I picked C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism of the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two. Offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No. Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. Bon les gars, on se fait un petit plaise. On va sûrement finir sur cette belle image. Voilà. Après, est-ce qu'il va vraiment y passer? Ça, on sait pas. Il y aura peut-être une suite. Ouais, non, c'est bon. On n'en parle plus. Normalement. So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No, not really. All right, then. As flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh. Les gars, j'en ai presque la chair de poule. C'est fini. J'espère que vous avez passé un bon let's play parmi moi, parmi nous, parmi je sais pas pourquoi je dis ça, je suis fatigué. Trois mois d'intense tournage, 3 mois de mise en scène pour pouvoir prendre le temps d'enregistrer et mettre 3 épisodes par semaine. Je peux vous dire que ça a été très physique de mon côté, très physique pour la petite famille. On va prendre du repos, on va reprendre un rythme normal, une vidéo à 2 vidéos par semaine sur ma chaîne. Et voilà, le défi est terminé. Je voulais faire ce let's play, on me l'a demandé, j'ai accepté, j'ai respecté, même si on faisait pas des scores de vues. Je commence un truc, je le finis, j'ai qu'une parole. Sur ma chaîne, c'est même pas dit que je l'aurais fini, tellement que c'était long, et que tellement tout le monde avait déjà ce jeu, et que, au final, bah, seuls les plus accros regardent. En tout cas, ceux qui ont suivi jusqu'au bout, je vous kisse la molaire, vous avez été formidables. Les gars de la PCC qui m'ont regardé au passage,
merci pour votre accueil, ça m'a fait chaud au cœur. Dernier épisode de ce Let's Play. Ça a été une superbe aventure. Je remercierai jamais assez ma femme, je le redis et je le re-redis. Portez-vous bien. Je crois que c'était la meilleure des fins. Respect, amitié, fraternité. Pourquoi s'entretuer alors qu'on peut avoir une fin sympa, tranquille, tout le monde est content. Je vois pas l'intérêt de tuer Trevor ou Michael. Ou alors on fait la petite pupute et on prend le max de pognon. Mais c'est pas le but. Dans la vie, c'est pas le pognon. Dans la vie, le plus important qui t'accompagnera toujours, c'est tes amis. Sur ces belles paroles, je sais que tu pleures derrière ton écran. Tu verses une larme. Tu es en transe. Mais il ne faut pas. Ressaisis-toi. Prends un sopalin. Non, pas celui-là, il est sale. Tu t'en es servi hier soir, petit coquin. C'était Jaya. Portez-vous bien, je vous embrasse. Adieu la PCC, merci pour votre accueil et à bientôt sur ma chaîne. Ciao.